Lorsqu'on pêche la chigan sur un lac, une des méthodes à utiliser consiste à faire de la pêche en zigzag. À environ 50 mètres du rivage, vous commencez à zigzaguer sur une profondeur, sur une largeur de 50 mètres aussi. Vous faites donc des allées et venues dans une largeur de 50 mètres et toujours à 50 mètres du rivage. Ce qui se produit, c'est que les échigans qui sont à mi-chemin entre le bord, la partie moins profonde et souvent sablonneuse, et le fond, autrement dit dans les fosses, sont très souvent sur le passage de la cuillère ou du leurre qui se balade sur ce 50 mètres en zigzaguant. Pourquoi zigzaguer? Eh bien, parce qu'on couvre ainsi beaucoup plus de territoire et de façon beaucoup plus efficace. Je pourrais très bien, comme la plupart des personnes qui pêchent à la traîne, partir en ligne droite, faire un premier tour du lac à 50 mètres du rivage, un second à 60 mètres, un troisième plutôt à 70 mètres, et ainsi de suite. Mais ça prend beaucoup de temps, et avant que j'ai trouvé à quel endroit, à quelle distance par rapport au bord se maintient la chigan, eh bien, il risque de s'écouler pas mal de temps. Tandis que si vous utilisez la méthode zigzagage, eh bien, vous allez couvrir de façon plus efficace tout un périmètre qui sépare les fosses du rivage et découvrir ainsi à quel endroit exactement vous avez la plus de chance, c'est-à-dire de capturer des échigans. Il faut donc zigzaguer de cette façon à la surface du lac en évitant les changements de vitesse trop brusques. L'échigan est un poisson de nage rapide, vous le savez, et puisqu'il est de nage rapide, il est capable d'attraper un leurre à une vitesse qui peut sembler excessive. Un moteur électrique peut très facilement être maintenu à sa vitesse maximum pour un 30 livres de pression, un 30 livres de puissance, sans aucun inconvénient pour l'attaque du poisson. En effet, même si le moteur est à son maximum, même si la vitesse vous semble excessive, l'achigan est tout à fait capable de se saisir d'un leurre à une telle vitesse. Et puis, il faut tenir compte aussi du fait que, dans les tournants, lorsque, par exemple, j'amorce mon virage comme ceci, vous pouvez vous apercevoir du changement de direction par le fond du décor qui se déplace, eh bien, évidemment, mon leurre subit une pression inversement proportionnelle. C'est-à-dire que la traction du leurre dans l'eau diminue, compte tenu que l'angle de mon embarcation s'est modifié. Qui dit traction diminuée dit vitesse ralentie. Par conséquent, si un achigan un peu trop paresseux se trouve dans le secteur, il choisira ce moment-là pour attaquer. Donc, vous avez deux possibilités, vous avez deux types de chigans. Celui qui est en pleine chasse et qui, lui, ne recule pas devant un leurre qui se déplace à une vitesse qui peut vous sembler excessive, mais qui, pour lui, est tout à fait normale. C'est une vitesse de fuite. Et vous avez aussi l'autre type de chigans qui est entre deux périodes d'activité et qui est un peu paresseux, un peu flemmard, comme ils disent, de l'autre côté de la grande mare, et qui n'a pas nécessairement le goût d'attaquer à grande vitesse. C'est donc dans les courbes, au moment où vous aurez terminé votre courbe, qu'il attaquera, au moment où l'heure reprendra un peu de sa vitesse initiale. Ah, le monofilament! Vous avez sans doute, comme moi, eu des problèmes à certaines occasions en le plaçant dans votre moulinet. Vous avez remarqué que, en redressant l'arceau, le monofilament, une fois qu'il avait été bien installé, sortait tout seul de la bobine. Et vous avez évidemment compris qu'il était monté, qu'il était bobiné à l'envers. Alors, probablement, comme moi, vous avez cherché à avoir un peu d'informations là-dessus. Comment faire pour le bobiner de la bonne façon? Il y a des trucs qui nécessite certains outils, un petit peu de matériel, des choses comme ça. Moi, j'utilise un autre truc. Un truc qu'un ami m'a montré et qui est très simple, consiste à déposer la bobine de monofilament dans l'eau. Ben, le truc, en fait, c'est que si vous comparez entre la bobine de monofilament et la bobine de votre moulinet, vous devez comprendre que si celui-ci est enroulé dans un sens dans la bobine, il doit être enroulé dans le même sens sur la bobine du moulinet. Sinon, s'il est dans le sens inverse, il sera à contresens et cherchera à s'expulser de cette bobine tout naturellement. Bon, bien sûr, si vous utilisez du monofilament Water Queen, c'est du monofilament qui a peu de mémoire. C'est un monofilament très souple,
Et comme il a peu de mémoire, il cherche moins à être expulsé du moulinet. Même si vous l'avez monté à l'envers, il vous suffit de le dérouler sur toute sa longueur une ou deux fois à la pêche pour ensuite le remettre en place pour régler le problème. Mais si vous utilisez un monofilament plus raide, un monofilament de moindre qualité, vous allez vous retrouver avec un monofilament qui est mal bobiné et qui vous pose des problèmes à ce moment-là, qui au départ aura une plus grande tendance à vriller. Alors le truc donc c'est celui-ci, je dépose la bobine de monofilament dans le lac, comme ça, à la surface. Et puis bien sûr, je prendrai soin de la ramasser après, évidemment. Alors, une fois que j'ai fait ceci, je place le fil entre mes doigts en haut, sur la canne, le fil passe entre mes doigts et je maintiens une certaine tension. Et comme ça, vous pouvez le voir s'embobiner sur la bobine du moulinet pendant qu'il tourne dans l'eau. Alors, le principe donc est simple, c'est que la torsion que fait subir le monofilament à la bobine est absorbée par le milieu liquide, par l'environnement. Et la bobine va tourner sur elle-même de cette manière. Pour avoir un maximum d'efficacité, il suffit de prendre son temps. La bobine fera des courses circulaires dans le lac et ainsi vous évitera d'avoir un monofilament monté ou tourné ou placé sur le moulinet à l'envers. Mais si vous allez rapidement, ce qu'on peut très bien faire, comme ceci, vous allez embobiner plus rapidement votre fil, vous allez faire une plus grande réserve de monofilament dans un moins grand laps de temps, mais la course de la bobine dans le lac, dans l'environnement, sera à peu près la même. Ce qui fait que la compensation pour éviter la contraction, pour éviter l'inversion du monofilament, sera trop mince, sera impropre, autrement dit, ne sera pas suffisante. Il faut donc embobiner son fil lentement et donner bien le temps, comme il faut, à la bobine de tourner sur elle-même, comme elle le fait actuellement. Avec un petit peu d'expérience, avec un peu d'expérimentation, on devient très habile à ce petit jeu et on peut rembobiner notre monofilament, notre moulinet, c'est-à-dire le remplir en l'espace de quelques minutes seulement et d'une façon tout à fait appropriée. Quant à la manière de détecter le moment où il faut s'arrêter, c'est-à-dire quand il y a suffisamment de monofilament, eh bien, on peut dire qu'en règle générale, il est préférable qu'il reste un petit jeu entre le bord de la bobine et la surface du monofilament embobiné. Un petit jeu, ça veut dire quoi? Ça veut dire à peu près un demi-centimètre. Un demi-centimètre, ou si vous préférez, un pouce, un huitième de pouce environ, autour de ça. De cette manière-là, si vous avez un demi-centimètre de jeu, votre monofilament, lorsqu'il sera réembobiné, sans une tension aussi grande qu'elle a été lors du premier bobinage, il prendra un peu plus d'expansion sur la bobine et ne cherchera pas à déborder. Vous ne serez pas obligé d'enlever un surplus. Une fois le monofilament bien embobiné, il faut le couper. Beaucoup de pêcheurs utilisent une surface métallique sur laquelle ils frottent le monofilament. Eh bien, si vous faites ça, si vous frottez la surface du monofilament, vous risquez de l'abîmer. Et si vous l'abîmez, rappelez-vous que c'est à cet endroit-là, à la fin, à la terminaison du monofilament, que tout à l'heure, vous aurez à faire un nœud. Et ce nœud sera fait dans une surface abîmée. Vous risquez à ce moment-là de perdre votre leurre, ou encore pire, de perdre votre poisson. Water Queen est un manufacturier européen d'envergure internationale. Water Queen fabrique plus de 15 différents types de monofilaments. 300 modèles de cuillères, 1500 modèles de flotteurs, des épuisettes et une multitude d'accessoires de pêche. Pour célébrer sa 5e année au Québec, Water Queen vous offre gratuitement une épuisette revolver de $24.95 à l'achat d'une bobine de son monofilament. Voyez votre détaillant. Vous aurez bientôt besoin de monofilaments fiables, robustes et invisibles sous l'eau. Chez Water Queen, nous vous en offrons trois types. Le Quake GT, conçu pour le lancer. Le Top GT pour la traîne et le Nilarome qui dégage une odeur attractive. Mais ce n'est pas tout. Jusqu'au 15 mai 92, si vous achetez notre monofilament, nous vous donnerons ceci. Une épuisette revolver d'une valeur de $24.95. Voyez votre détaillant. Tiens, 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 tiens. Voilà. Maintenant, je me replace.
vers ma cible, en l'occurrence le quai qui est coulé. La Adler est une cuillère, j'ai cru le remarquer, qui provoque souvent une morsure au moment où elle tombe à l'eau. C'est jusqu'à maintenant, dans les tests que j'ai faits, il est arrivé assez rarement que le poisson a mordu après que la cuillère ait commencé à faire son trajet de retour vers l'embarcation. Alors lentement pour la placer, la situer, voilà. Il a choisi de mordre au moment où elle était là. C'est beau, mon petit. Ah, c'est incroyable la puissance de ce poisson. Pourtant, il est tout petit encore. Il a sauté en dehors de l'eau. Ce que j'aime bien des achigans, c'est que souvent, ils combattent en surface. À la caméra, évidemment, c'est souhaitable. On peut voir davantage toute l'action. Celui-là, c'est un tout petit. Les gros en plein après-midi sont vraiment plus difficiles à attraper. Il faut être patient et attendre en fin de journée, en fin de soirée, c'est-à-dire pendant la soirée. Alors, je me suis mouillé la main et je vais le décrocher. Voilà. Un beau poisson. Regardez-moi les épines sur le dos. La nageoire dorsale est très épineuse et évidemment dangereuse pour celui qui ne fait pas attention. Bonjour chez vous. Bon, un gros là. Très le temps, hein? Alors, je vais lentement, puisque ça a démontré que ça marchait. La preuve est faite, deuxième fois. Oh, un peu plus gros, celui-ci. Oui, 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 c'est bien, ça. Oui, oui, c'est bien, ça. Oui, un petit peu. Regardez comme il travaille en surface. Assez étonnant. La chair de l'achigan est blanche, comme celle de la perchaude. Cette chair blanche-là est absolument délicieuse. Soit dit en passant, l'achigan est appelé par les Américains comme par les Français et les autres Européens qui ont affaire à ce poisson-là, est appelé black bass, son nom anglais donc, son nom anglophone. Alors la cuillère a l'air de bien fonctionner. Lorsqu'on leur présente, toujours donc se mouiller la main, lorsqu'on leur présente une nouvelle cuillère, c'est souvent ce qui arrive avec ces poissons-là, ils sont fascinés. Il s'agit de trouver à quelle vitesse la cuillère doit travailler. Et il y a des jours où elle doit travailler très vite, d'autres très lentement, et ça peut même changer d'heure en heure, de minute en minute parfois. Tiens, je viens d'avoir un coup de tête là. Un coup de tête, ça, c'est quand c'est un achigan qui est généralement d'assez belle taille et qui ne veut pas attaquer. C'est-à-dire qu'il n'est pas en condition, il n'est pas en période d'agressivité, en période d'activité plutôt, et refuse d'attaquer, de mordre violemment, comme pour se nourrir. Il va à ce moment-là donner un coup comme pour étourdir sa proie, comme pour en vérifier l'état de santé en quelque sorte. Et si sa proie s'immobilise, il arrive qu'il l'attaque à ce moment-là. Ou si cette proie se désoriente, il arrive, j'ai vu la scène, c'est assez impressionnant, qu'à la suite d'un coup de nez comme celui-là, donné par un brochet, par un achigan ou par une truite, par un poisson prédateur, il arrive que le petit poisson qui a été attaqué soit si perturbé qu'il saute en dehors de l'eau ou qu'il fonce au fond de l'eau et qu'il se frappe sur le sol, sur le fond de l'eau. Et ça, c'est assez étonnant de voir ce genre de phénomène. Je ramène lentement et je me méfie doublement. Là, j'ai fait exprès, hein. Tout en vous racontant ça, je viens de prendre une pause parce que je me doutais que si c'était un plus gros, j'ai intérêt à ne pas trop le fatiguer. Enfin, je vais faire ce que je peux dans les conditions. Là, j'ai quand même pas 8 heures à ma disposition pour sonder ce lac-là. C'est qu'idéalement, lorsqu'on a un coup de nez comme ça, encore un. Là, je l'ai. C'est que l'achigan, ah, je pense que c'est pas le même. Non, c'est encore un petit. C'est que l'achigan ne veut vraiment pas collaborer, mais on peut arriver à le décider en le provoquant, en passant et en repassant dans son territoire. Ils sont taillés au couteau, hein, ceux qui mordent cet après-midi. Presque tous dans le même gabarit.
Regardez ce poisson. Il est large, il a un dos assez large, une corpulence assez impressionnante par rapport à sa taille. C'est un poisson de nage rapide, la queue légèrement fourchue, très peu par rapport à une truite grise ou à un saumon, mais quand même relativement beaucoup comparé à une truite mouchetée à l'omble de fontaine, à une omble donc qui a la queue, elle, carrée. Regardez-moi cette beau poisson. L'œil est brun, avec la forme typique du point noir, de l'iris, qui est pointu, avancé vers la gueule. Il s'agit d'achigan à petite bouche, la mâchoire, donc, ne dépasse pas le coin de l'œil. Si c'était un achigan à grande bouche, la mâchoire reculerait ici, sous l'œil, carrément sous l'œil. On a de l'achigan à grande bouche au Québec, mais davantage dans la région de Montréal, que de Québec. Vous aurez bientôt besoin de monofilaments fiables, robustes et invisibles sous l'eau. Chez Water Queen, nous vous en offrons trois types. Le Quake GT, conçu pour le lancer. Le Top GT pour la traîne et le Nilarome, qui dégage une odeur attractive. Mais ce n'est pas tout. Jusqu'au 15 mai 92, si vous achetez notre monofilament, nous vous donnerons ceci. Une épuisette revolver d'une valeur de 24,95 $. Voyez votre détaillant. Cybel, c'est le nom de toute une gamme de leurres ultra-modernes. Cybel, ce sont des cuillères tournantes, balancées, équilibrées, qui entrent en action dès l'instant où elles touchent l'eau. Cybel, ce sont aussi des ondulantes conçues par ordinateur pour fournir de puissantes vibrations sans vriller la ligne. Cybel, c'est une nouvelle génération de leurres à découvrir, fabriquée en France par Water Queen. Water Queen est un manufacturier européen d'envergure internationale. Water Queen fabrique plus de 15 différents types de monofilaments, 300 modèles de cuillères, 1500 modèles de flotteurs, des épuisettes et une multitude d'accessoires de pêche. Pour célébrer sa cinquième année au Québec, Water Queen vous offre gratuitement une épuisette revolver de 24,95 $ à l'achat d'une bobine de son monofilament. Voyez votre détaillant. L'agressivité des tout petits achigans est proverbiale. Regardez-moi donc ça. Tout petit, et pourtant déjà très agressif. La cuillère est, quoi, deux fois sa longueur, tout au plus, et malgré tout, il l'a attaqué. Il est tout petit, il a encore sa tache noire sur la queue à l'arrière. Il a la queue d'un noir très marqué, très distinct, beaucoup plus distinct chez le jeune que chez l'adulte. Regardez-moi cette vigueur pour un petit poisson de sa taille, c'est incroyable. C'est encore un poisson qui a, sous la mâchoire inférieure, un certain nombre de petits trous, de petites ouvertures. Regardez, ils sont quelques-uns comme ça au Québec et bien sûr ailleurs, à avoir ces petites ouvertures. On distingue d'ailleurs certaines espèces cousines, par exemple le mesquinongé et le brochet, grâce au nombre de ces petits trous. Il est tout petit, regardez cette marque noire dont je vous parle, beaucoup plus visible chez le jeune que chez l'adulte. Soit dit en passant, l'achigan est une espèce assez fragile, beaucoup plus résistante que l'omble de fontaine, que la truite mouchetée, si vous préférez, mais beaucoup plus fragile que, par exemple, le brochet ou même le doré. Et si un cours d'eau devient le moindrement pollué, l'une des premières espèces à en disparaître, dans le cas des poissons à écailles, eh bien, c'est l'achigan à petite bouche particulièrement. L'achigan à grande bouche semble démontrer une plus grande tolérance. Quand je dis pollution, entendons-nous, on trouve quand même des achigans dans des endroits très pollués, mais ce sont généralement des eaux qui se renouvellent assez régulièrement. Il semble y avoir malgré tout un phénomène d'adaptation chez l'achigan. On a constaté, par exemple, que dans des endroits où le niveau de pollution dépassait de loin le seuil de tolérance reconnu pour l'achigan, il y avait quand même des populations locales de cette espèce. Le phénomène semble être un phénomène d'adaptation plus qu'un phénomène général. Ce n'est pas généralisé. C'est donc un poisson relativement fragile qui est capable de faire preuve d'adaptation. Cybel, c'est le nom de toute une gamme de leurres ultra-modernes. Cybel,
Ce sont des cuillères tournantes, balancées, équilibrées, qui entrent en action dès l'instant où elles touchent l'eau. Si belles, ce sont aussi des ondulantes conçues par ordinateur pour fournir de puissantes vibrations sans briller la ligne. Si belles, c'est une nouvelle génération de leurres à découvrir. Fabriquée en France par Waterqueen. Waterqueen est un manufacturier européen d'envergure internationale. Waterqueen fabrique plus de 15 différents types de monofilaments. 300 modèles de cuillères, 1500 modèles de flotteurs, des épuisettes et une multitude d'accessoires de pêche. Pour célébrer sa 5e année au Québec, Waterqueen vous offre gratuitement une épuisette revolver de $24.95 à l'achat d'une bobine de son monofilament. Voyez votre détaillant. Un monofilament fait pour la pêche à la traîne, robuste et difficile à briller. Ça existe. C'est un Top GT de Waterqueen, évidemment. Et regardez ça. Un superbe achigan. J'ose pas trop le forcer parce que je l'ai pris sur un monofilament de 4 livres. Et ça fait au moins 3 ou 4 fois que je me prends avec ce fil-là. J'ai peur qu'il casse tout, là. Regardez ça. Un superbe achigan. Il y a de l'herbe aussi dans la gueule. C'est pour ça que ça tirait tellement tout à l'heure. Quand je l'ai attrapé, j'ai cru, a priori, que j'étais accroché au fond. Et j'ai tiré, mais quand même assez fermement. Tout à coup, je me suis rappelé que j'avais mis un monofilament de 4 livres sur ma cuillère Alder. Et là, j'ai senti quelques secousses quasi en même temps, alors j'ai décidé d'y aller mollo. Oh, c'est énervant. Je suis ici dans un lac, tout près d'une ville, tout près de la ville de Québec, un lac très pêché. Un lac aussi négligé sur cette espèce qui est l'achigan. On considère qu'il n'y en a plus ici. On raconte qu'il y avait jadis de très très beaux achigans, mais maintenant on dit que depuis 5 ans, il ne s'en prend que quelques-uns par été. Et semble-t-il que je suis un des chanceux qui aura réussi à en prendre un cet été. Et surtout un beau comme ça, j'en ai parlé à plusieurs reprises des achigans par ici, et très rarement on a fait mention d'aussi gros poissons. J'ose pas trop le forcer. Oh, il me donne des coups. J'ai peur de le perdre. Je pense qu'il est piqué juste sur le côté de la gueule. Il fait au moins 3 livres. Minimum 3 livres, ce poisson-là. Certainement, oui, 3 livres. Il est piqué juste sur le côté de la gueule, encore une fois. Je préfère ne pas trop prendre de risques. Lui donner le temps de se fatiguer et le ramener tout doucement. Regardez-moi ça. Ah, regardez cet engin, comme ils disent les copains français. Waouh! Il est superbe. Sur la cuillère Alder, une cuillère que vous connaissez peut-être déjà, une cuillère qui n'existe, c'est-à-dire qui est tout à fait exceptionnelle, une des rares cuillères de ce type au monde. Tout à fait exceptionnelle. Elle fonctionne de 3 façons. Si on la ramène tout doucement, elle oscille de gauche à droite. Et si on la ramène rapidement, elle tourne. Le beau poisson que voilà. Il donne des coups de tête maintenant. Oh, qu'il est beau. Oh, je pense que c'est le plus gros achigan que moi j'ai eu l'occasion de prendre jusqu'à présent. Il est superbe. J'essaie de garder la tension sur la ligne. Et puis je vous parlais de la Alder pendant que je le laisse se fatiguer tout doucement. La Alder est une cuillère qui, lorsqu'on la ramène donc rapidement, tourne normalement, mais elle a cette particularité, comme troisième action, d'être pêchable comme une jig, c'est-à-dire à la verticale. Bon, là, vous avez vu, je n'ai pas d'épuisette non plus. Je vais essayer de sortir à la main. Il faut qu'il soit bien fatigué. Il vaut mieux, quand on le sort à la main, lui laisser la tête dans l'eau. Et puis, s'il n'est pas suffisamment fatigué, il va repartir, je vais donner un coup. Il faut que je sois prêt à le libérer à ce moment-là. Si je lui laisse la tête dans l'eau et que je lui passe la main, dans le cas de l'achigan, sur le côté d'une ouïe, je peux arriver à le capturer ou encore à l'intérieur de la gueule. C'est pas un poisson qui a des grosses dents, c'est pas très grave. Il faut faire attention de ne pas faire ce que j'ai failli faire, c'est-à-dire enrouler le fil autour de mon doigt. Si je fais ça à ce moment-là, j'ai l'air intelligent. J'ai laissé mon épuisette dans l'autre bateau. Je
suis obligé de me débrouiller avec les moyens du bord. Ça arrive, on ne peut pas toujours tout prévoir. J'ai une grande confiance dans la cuillère Alder, mais je ne m'attendais pas à prendre une prise de choix comme celle-là. Tiens, mon beau. Voilà. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce bétail. Pensez-vous que c'est pas beau? La nageoire dorsale de ça est édifiante. De belles épines, bien fermes, un poisson qui est équipé pour faire une grande nage, une nage rapide, mais aussi de longue distance. Et un poisson qui est équipé pour se défendre, comme vous pouvez le constater. Oui, un beau, oh oui, un bon 3 livres, certain. Un superbe achillant. Eh ben, et puis la cuillère, regardez-la, c'est cette très étrange cuillère, qui est la cuillère Alder, aux formes tout à fait bizarres. Et celle-là, c'en est une très vieille, c'est une cuillère que j'ai depuis déjà un an. Elle a pêché dans des milieux assez encombrés, merci, elle est abîmée. Mais malgré tout, elle fonctionne encore très, très bien. Alors, je décroche ce poisson et je le remets à l'eau. L'oreille interne est située ici, près du cerveau, à l'intérieur. Elle n'est pas en contact avec l'extérieur. On soupçonne qu'elle sert à distinguer surtout des sons sourds, des bruits qui se transmettent d'une façon, je dirais, presque de poisson à poisson. Par exemple, on soupçonne que cette oreille-là sert à communiquer entre eux. Certains poissons auraient en effet cette propriété d'émettre des bruits, d'émettre des sons, particulièrement la barbue, si vous l'avez déjà remarqué, qui, avec ses nageoires ici, arrive, à cause des épines qu'il y a de chaque côté, à l'extrémité de ses nageoires, qui arrive à faire un espèce de bruit, de frottement, si vous voulez. Il y a aussi le malachigan, qu'on appelle le poisson tambour, qui fait un genre de tam-tam. Les sons qui sont détectés sont bien sûr assez vastes. Du moteur hors-bord qui émet ces ondes, ces vibrations qui se reflètent sur le fond de l'eau, qui sont retransmises et répétées comme ça en écho, jusqu'à l'insecte qui se dépose à la surface de l'eau et qui fait un tout petit flacotis, tout y passe. Le poisson, c'est vraiment une super machine à détecter. Si vous êtes en embarcation, vous allez constater très vite que lorsque vous avez une embarcation d'aluminium, vous faites le moindre bruit et le poisson vous repère. Ce que vous devez considérer, c'est que, sachant cela, vous avez à faire le moins de bruit possible. Alors, bien sûr, sur certains plans d'eau, les bruits n'ont pas d'importance. Les poissons sont habitués, ils s'y sont habitués, et finalement, ça ne les gêne plus, du moins pour les poissons, du moins pour un certain nombre, certains groupes de poissons. C'est aussi beaucoup moins critique, tous ces bruits, dans les endroits où il y a des plantes. Parce qu'on le devine, ces plantes vont faire un effet d'absorption. Lorsque le son est transmis au fond, ces plantes vont l'absorber et vont éviter de le réfléchir à nouveau sur la coque du bateau. Alors que si le fond est lisse, est plat, ou qu'il est de roche.